Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie au sommaire de cette édition. Perspective économique stable au Rwanda, selon les dernières estimations, le pays devrait atteindre un taux de croissance de 6,5% en 2015. L'Afrique a enregistré la plus forte progression des dépenses militaires à l'échelle mondiale en 2014. Elles ont atteint 50,2 milliards de dollars. Et puis nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. L'indice boursier du Rwanda a connu une légère hausse de janvier à mars 2015. Un constat fait par le rapport trimestriel du Rwanda Stock Exchange publié début avril. Les entreprises locales ont largement contribué à cette performance. Reportage d'Olivier Jacotan, notre correspondant au Rwanda. 6,5%, c'est le taux de croissance minimum prévu par les autorités rwandaises pour 2015. Depuis 2007, le pays a entrepris une série de réformes pour demeurer parmi les meilleures économies en Afrique. Des réformes qui portent des fruits, car depuis environ une décennie, le Rwanda affiche un taux de croissance relativement élevé. Et selon certains spécialistes, les prévisions de 2015 sont réalistes. Il y a toute une gamme de réformes macroéconomiques qui sont en train de s'opérer au niveau de l'Afrique de l'Est. Cela aussi a un impact positif à la fois à la région, mais aussi surtout au Rwanda, parce que c'est un pays qui toujours devance les autres pays en matière de réformes. Le Rwanda est la meilleure destination pour les affaires en Afrique de l'Est et la troisième meilleure destination pour les investisseurs sur le continent africain. Un constat fait par le dernier rapport annuel de Doing Business. Kigali a même obtenu une note de B+ en mars 2015. Mais ces chiffres encourageants ne peuvent se maintenir qu'en relevant certains défis. On ne peut pas prétendre avoir un boom industriel si le coût de production est élevé, si l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité est très élevé, le coût est très élevé. Le Rwanda ne peut pas être compétitif par rapport à d'autres pays. Je crois que c'est un secteur où le pouvoir public a besoin d'investir plus pour réduire le coût de production. Par conséquent, ça va attirer plus les investisseurs. Une équipe du Fonds monétaire international a séjourné du 23 mars au 2 avril 2015 au Rwanda. Les experts ont notamment exhorté le Rwanda à faire des efforts dans le domaine de l'exportation pour une performance économique durable et solide. Car en 2014, le coût des importations était estimé à environ 190 millions de dollars et celui des exportations avoisinait les 45 millions de dollars. Dangote Cement vise 30% du marché camerounais du ciment en 2015 avec une production attendue de 950 000 tonnes. Le groupe nigérian qui ne commencera à produire annuellement 1,5 million de tonnes de ciment qu'à partir de 2016 compte ainsi rogner sur les parts de marché de Cimentcam qui a longtemps contrôlé le marché du ciment au Cameroun. Les dépenses militaires ont atteint 1776 milliards de dollars dans le monde en 2014, un chiffre en léger recul de 0,4% par rapport à l'année précédente. Mais sur le continent, la tendance est à la hausse. Depuis 2005, les dépenses d'armement en Afrique ont augmenté de 91%. Christelle Dayambaya. L'Afrique a enregistré la plus forte progression des dépenses militaires à l'échelle mondiale en 2014. Les dépenses militaires du continent ont atteint 50,2 milliards de dollars en 2014, soit une hausse de 5,9% par rapport à 2013. Cette augmentation des dépenses relève de plusieurs facteurs. D'abord, le premier facteur diplomatique et politique internationale, parce qu'on se rend compte que maintenant, les pays africains ont une diplomatie qui est basée sur l'armement. Et deuxièmement, il y a aussi le problème des relations entre les voisins, comme le Maroc et l'Algérie, donc qui sont presque dans une situation pré-guerre. Et troisièmement, on peut dire qu'il y a des pays qui s'arment pour pouvoir intervenir au niveau de la, disons, de là où il y a les conflits, comme en Somalie ou comme au Mali. Le marché africain de la défense a connu au fur des années une progression rapide. Les avions militaires, véhicules blindés et systèmes d'artillerie ont été modernisés et renouvelés afin de répondre aux nouvelles menaces qui planent sur la sécurité. Les acteurs économiques ne sont pas optimistes quant à la réduction des dépenses militaires. Ah, il faut reconnaître que plus il y a la croissance en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de moyens, les pays vont continuer à s'armer. On peut donner l'exemple
l'exemple du Nigeria, par exemple, qui s'est fait ridiculiser avec Boko Haram, qui a été devancé par le Tchad. Donc, le Nigeria fera des efforts pour s'armer. Il y a d'autres pays comme le Cameroun qui va continuer à s'armer, des pays comme le Rwanda, des pays comme l'Angola aussi qui ne va pas se laisser dépasser au niveau de la sous-région. Donc, il y a une compétition. Je ne suis pas optimiste au niveau de la réduction de l'armement en Afrique. Les dépenses militaires en Afrique du Nord ont atteint 20,1 milliards de dollars en 2014, soit une hausse de 7,6% par rapport à 2013. Les deux grands pays africains les plus dépensiers dans ce domaine sont l'Algérie et l'Angola. Coribank International au secours des petites et moyennes entreprises nigériennes. L'établissement financier a signé avec Asusu SA, une institution leader de microfinance nigérienne, une convention de crédit d'un montant de 2 milliards de francs CFA, une somme qui devrait permettre à l'institution de renforcer son offre de services financiers aux populations à travers des prêts pour le financement des micro-entrepreneurs, des PME et des activités génératrices de revenus ruraux. Adoption d'une loi de finances rectificative au Gabon, arrêtée préalablement à 2331 milliards de francs CFA. Les charges budgétaires connaissent une régression de 11,3% par rapport au niveau initial. Elles sont composées des charges financières de la dette, des dépenses de fonctionnement ou encore des dépenses d'investissement. Rappelons que cette révision du budget fait suite à la chute du prix du baril de pétrole. On écoute à ce propos Maïs Mouissi, consultant bancaire. L'État gabonais est un État pétrolier qui tire essentiellement ses revenus du pétrole. Et donc, en conséquence, lorsque le pétrole est affecté, la croissance l'est de facto. Le gouvernement gabonais a pris essentiellement des mesures de réduction de train de vie de l'État, qui passent par la réduction de l'enveloppe de la masse salariale. Par ailleurs, la grande nouveauté et celle de l'arrêt du système de péréquation sur les hydrocarbures à la pompe. L'ensemble de ces éléments permettrait à l'État d'engranger un peu plus de recettes et d'économies. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain gagnait 0,62%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,17%. Les marchés boursiers de l'île Maurice diminuaient de 0,17%. Et la bourse du Botswana perdait 0,02%. Mauvaise performance du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest. L'indice nigérian était en baisse de 0,22%. La BRVM d'Abidjan perdait 0,02% et la bourse du Ghana diminuait de 0,04%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,55%. Celui de l'Égypte enregistrait une baisse de 0,35% et la bourse marocaine a gagné 0,11%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.